du vice-président Tano Djedje et il a été accueilli à l'entrée de la salle par la vice-présidente Marie-Odette Olorunyan et ses collaboratrices. Voilà, secrétaire général, merci d'être là. Merci d'honorer Laurent Gbagbo. Et musique de soutien. Ça va bien. Oh oui, tu peux t'approcher s'il te plaît, une minute. Bien, veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Je voudrais saluer aussi M. Ibrahima Sangaré, le frère aîné de notre regretté vice-président Abdourahmane Sangaré. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Photographe, si vous avez fini vos prises de vue, vous pouvez libérer la main courante, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Mesdames et messieurs, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue dans cette prestigieuse salle de l'espace Triande. Vous êtes conviés à cette cérémonie par les femmes du Front populaire ivoirien, à travers elles, les femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on ovationne l'OFPI avec à sa tête la malheureuse vice-présidente secrétaire nationale Marie-Odette Lerion. Aujourd'hui, donc, 30 mai, le président Laurent Gbagbo va souffler sur ses 76 bougies. Malgré toute la douleur qu'on lui a fait vivre injustement, malgré les épreuves d'humiliation qu'il a vécues, malgré l'enfermement sans sa famille, sans ses enfants, sans ses petits-enfants, dans une prison froide comme de la glace, le président a peut-être plié, mais n'a pas cassé. Il est resté debout. Il est resté déterminé. Et il suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation sociopolitique dans son pays. Je voudrais, avec votre permission, après avoir vaincu les comploteurs nationaux et internationaux à travers la CPI, qu'il a lavé, qu'il a blanchi, qu'il a innocenté définitivement le 31 mars 2021, je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on se tienne debout et faire un standing ovation au président Laurent Gbagbo. Merci. Il n'y a pas assez de bruit. Merci. 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 Veuillez vous asseoir. Nous démarrons donc notre cérémonie. C'est la partie officielle qui commence. Elle sera bien agrémentée par des intermédiaires d'artistes qui nous ont l'honneur de répondre à l'invitation de l'OFPI. Camarade secrétaire général,